Oui, bah écoute, je suis vraiment très très satisfait de la prestation des garçons ce soir. Le travail paye. On taquine sur le travail un peu en compte cette semaine. Je pense que les garçons ont fait un gros boulot depuis de nombreuses semaines parce que je pense que le match de Vannes, c'est un match vraiment intéressant dans le contenu. On a beaucoup travaillé sur notre réalisme. Ce soir, on a été un peu plus réaliste que les semaines précédentes. Et ça s'est conclu par une belle victoire. Et je suis vraiment satisfait des garçons ce soir. Oui, c'est sûr, mais bon, je pense qu'on a un jeu sur lequel il faut aussi des bonnes conditions. Voilà, mais voilà, il y a de la précision et je suis content parce que surtout on s'en est sorti par le jeu. Et ça, c'est vraiment. Après, Montauban n'a pas fermé le jeu aussi, donc je pense que c'est un match très plaisant à regarder pour les supporters. Mais on s'en est sorti par le jeu. On a fait une très 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 bonne première mi-temps de grande qualité de défense. On a été rugueux, on a été dur. Et on a su tenir le ballon, on a su techniquement, on a été bon. Et ce qui nous a permis de trouver des brèches à un moment donné et de finaliser les coups. Je pense que la mêlée a été bonne, la conquête en général, comme tu dis, a été de bonne qualité. Un match plein, hein. Ouais, un match plein, ça fait longtemps. On avait des garçons très, très, très concernés, il faut beaucoup de concentration aussi pour ça. Ouais. Les garçons, vraiment. Vraiment un très très bon niveau ce soir. J'espère que c'est le début d'une série et j'espère que c'est les beaux jours arrivent. Donc, les beaux jours arrivent. Ils portent un peu le bout du nez. Donc j'espère que on va savoir maintenant embrayer parce qu'il y a des points à récupérer aussi. Ouais. Et je n'oublie pas, c'est une première étape maintenant. Il faut se remettre au travail. Tu sais comment je suis. Et voilà. Voilà. Essayer de. On avait les trois premiers matchs du bloc là. Sont très très importantes pour nous, pour respirer un peu. La première marche est franchie et la seconde arrive.